a commencé par une rencontre grâce à YouTube, grâce à Jojo, Joanne Paps. Puis après, il y a eu des soirées, il y a eu des dramas, des conflits, des réconciliations. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc on a décidé de tourner une vidéo ensemble, mais pas n'importe quelle vidéo. Vu que nous sommes deux personnes très très drôles, nous avons décidé de tourner un truc à notre image, un truc qui va vous faire rire et qui nous a fait rire quand on l'a tourné. Enfin, j'ai envie de vous dire à moitié. Donc j'espère que vous êtes prêts à voir ça. J'espère que vous êtes prêts à nous voir dans une situation assez déconcertante et puis assez dégoûtante aussi. Je vous laisse avec la vidéo. Ya ya ya. Alors celle-là, elle est très cocasse. On n'en peut plus. Coucou mes amours, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec quelqu'un que j'adore qui va apparaître. Et si vous êtes des fans de YouTube, vous reconnaissez ce décor. On voit sa tête qui dépasse déjà. Ah, oh mon Dieu, qui l'aurait cru de YouTube, vraiment. Deux personnes trash dans une vidéo ensemble. Yeah. Iconique. Yeah, yeah, yeah. Je suis l'origine de tes problèmes. Oui. Mais tu m'adores aussi. Oui, mais tu es l'origine de mes réconciliations aussi. Voilà. Faut le dire. Yeah, yeah, yeah. On viendra au thé, on entend une voix. C'est toujours la voix off de mes vidéos. La réconciliation est là, on va faire 80%. Donc, on disait, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas fort comme ça. Ok. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Où on va souffrir tout simplement, voilà. Au secours. Mais on va rire aussi, donc il va y avoir plaisir et souffrance. Yeah. J'aime bien ça. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est une vidéo que moi j'adore. C'est un challenge genre si tu ris, tu perds. Mais si tu ris, tu perds et tu bois de la grosse merde. Puisque on dirait pas qu'on fait un truc de cuisine, sinon. Oui, vraiment, genre cocktail. Ah, je crois que c'est vraiment un moment incroyable à revivre. Je vous laisse revoir ça. Ya ya ya. Je l'ai jamais utilisé en fait, c'est pour ça. I'm sorry. Tu vas me laisser tout gérer. Donc ça, c'est un shaker. On va faire un cocktail, mais pas un cocktail bon. Non mais en fait, il faut vous préciser quelque chose, c'est qu'on va en boire juste après cette vidéo. Genre là, il est 22h30. En gros, on doit partir dans 1h, 1h30 en boîte. Et avant de partir en boîte, on va faire un mélange de sauce soja sucrée. Bon, pour moi, c'est sucré. C'est mon truc préféré. Tabasco. Je déteste. Iconique. Séché avec morceaux. Activia à la mangue. Du sucre. Daddy parce que. Appel au sugar daddy. Mayonnaise. À la thème. Et de la sauce McDo classique curry. Mais en fait, meuf, t'es sûr que ça va être dégueulasse? Ah bah là. Attends, faut que je rajoute un truc bizarre. One eternity later. Pour digérer le tout, Poliaka. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mes amours. Buvez avec modération ou ne buvez pas du tout comme moi. Ok, on commence par mettre quoi? Pas beaucoup de vodka. Tabasco. T'en mets à donf, t'en mets donne à moi donf. Oh. Assistant. Ah. Oh, il y a des morceaux. Antonin, je peux pas voir ça, je vais vomir. On a oublié, mais il y a un filet d'huile. Quoi? Non. Oh non, c'est ma sauce, la sauce que je déteste le plus, c'est la classique curry. Mais du sucre. Du sucre à donf, par contre. Oh. Depuis je te saupoudre. Non mais on dirait qu'il y a des gens qui vivent dedans. Des limaces. Des limaces, mais au secours. C'est horrible. Oh. Toujours rêvé d'être barmaid. Barwoman du coup. Barmaid. Rien que le bruit est dégueulasse. C'est qu'on va vomir. Donc en gros, on vous a montré ce qu'on va devoir souffrir. Le cocktail horrible qu'on va devoir boire après. Bon mes amours, en tout cas, on va se raconter des blagues pas drôles. Vu qu'on est deux personnes pas drôles. Si quand moi je raconte la blague, Antonin rigole ou vice versa. On aura une gorgée à la fin de cette vidéo. Et à la fin, donc on va comptabiliser les gorgées. Et je pense que ça va se finir en bol de cocktail. Voilà. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Alors. Elle est drôle. Oh non, mais c'est qui? C'est qui? One eternity later. Que fait une vache quand elle ferme les yeux? Ya ya ya. Que fait une vache quand elle ferme les yeux? Fais quoi? Bah rigole pas parce que tu vas avoir une gorgée. Tu l'es concentré. Tu sais pourquoi je ris pas? Parce que je l'ai déjà lu. Ah.
Bim, tu... Allez, pas de gorgée. Attends, faut que je me concentre. Un Tampax dit à un préservatif. Sois prudent. Si tu pètes, on se retrouve les deux au chômage. Non, c'est la manière dont tu racontes, putain. C'est ça mon point, la blague ne me fait pas rire, mais je me suis dit, vas-y, peut-être. J'ai choisi le pire mec pour faire cette vidéo. Pourquoi il est mis au point sur toi? Parce que je suis that bitch un peu. Parce que toi, il y a tellement d'injections, ils reconnaissent, ils savent pas que c'est un visage humain. Une gorgée pour moi. La personne mystère, pourrais-tu compter les gorgées? Non, je suis au chômage. Comme le Tampax. Comme le préservatif et le Tampax. C'est l'histoire d'un poil. Merde! Arrête! Non, t'as une gorgée. Ouais. Je la termine et si tu re-ris, t'as deux gorgées. C'est l'histoire d'un poil. Arrête de me raconter des trucs comme ça, s'il te plaît. C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien. Maintenant, il est plus bien. C'est pas drôle. T'as grave ri au début, de toute façon. Non, mais. Oui. Une boisson. Mais en fait, je m'attendais pas à genre qu'elle commence à blague en disant. C'est l'histoire d'un poil et je m'attendais à un toutoum, genre en mode. Une chute. Mais t'as compris? Non. Mais pourquoi tu crois qu'il est pas bien, genre il est plus bien. Oui, je sais. Ah, okay. Il est plus bien. Il est plus bien. Oui. Mais pourquoi tu crois qu'il est comme ça? Parce que j'ai le hockey. Mais quoi? J'ai envie de me faire peur. Putain, c'était une de mes blagues en plus. T'as compris. C'était en mode, pourquoi tu me fixes? Ah, mais moi je te fais peur. Oui. Ah bah c'est bon, t'as ri. Deuxième shot. Il est pour pas cool. Ce mec, franchement. Qu'est-ce que ça fait quand tu prends un fruit exotique, genre un kiwi et une vache? Une vache kiwi. Là par contre, Rubara, non, genre, je suis désolé, mais non. C'est une vache kiwi. Une vache kiwi. Que dit un informaticien quand il s'ennuie? Tu sais ou pas? Tu sais? Je me fais chier! T'es trop con! Yes! Trois gorgées! Mais meuf, fais attention, là, t'es déjà trois gorgées! Un magnum de cocktail! Que fait une fraise? Une fraise. J'adore les fraises. Une strawberry. A strawberry. Yeah. Arrête. Sur un horse. Un cheval. Une fraise sur un cheval. Je sais pas. Tagada. Ah. Oh merde. En plus, j'ai ri par empathie. Non, en soi, c'est drôle, Tagada. Je sais pas ce que c'est empathie. Non. Bon, 3 gorgées pour toi, 2 gorgées pour moi. C'est un garçon qui va à l'école. Ah, celle-là, elle est cocasse. Hein. Je sais pas pourquoi c'est quoi, cocasse, putain? Elle sait pas ce que ça veut dire empathie, ni cocasse. Bah, +3. Becherel, bec. +2, mais +4, ça a duré longtemps. Ça a failli. C'est un garçon qui va à l'école. Sa maîtresse lui demande pourquoi ton cartable est aussi gros? Et l'élève, il répond, j'ai emmené ma chatte. Genre, l'animal, la chatte. La veuve, elle dit, mais pourquoi? Parce que j'ai entendu papa dire à maman, chérie, j'emmène le petit à l'école et je te b*** la chatte. Il a voulu la sauver. Oh non, ça fait 4 gorgées. Bref, next. Je suis à 4 et toi à 3. Attends, faut que je m'éponge, tu peux utiliser tes cheveux. Non. Fais-moi rire ou papa, j'ai envie de rire là. Qu'est-ce qu'une frite? Une frite enceinte. Très grave envie de rire ici. Non. Une frite enceinte, c'est quoi? Une patate. Une patate sautée. Non, c'est. T'as sauté tout. T'es vraiment une drama. Et moi, je me cale même pas, je suis posée. Là, j'ai combien de shots? 3 et moi 4. Ok. C'est quoi le pays le plus cool au monde? Je sais pas. Le Yémen. Alors, Antonin, un mec dit à une pute. Le plus cet été, le moustique ou toi? Tain, il fait exprès de pas rire, elle était drôle. Non, ça me fait pas rire. Donc en gros, imagine, c'est une conversation entre Laura et toi. Ok. Et Laura, elle te dit il a quel âge son copain? Toi tu dis bah 42 ans. Et Laura, elle te dit ah, ça pourrait être ton père. Tu dis oui, sauf que c'est le tien.
Oh non, arrête, je m'en vais. Il est trop con, ce mec. C'est bon, t'as ri. Tiens, foutre. T'as ri, t'as pas ri à cause de la blague, mais t'as ri. Un homme rentre dans un bar, brandissant un fusil. Oh. Je veux savoir qui a baisé ma femme. Une voix au fond du bar lui répond. Ah, mon gars, là, tu vas manquer de cartouches. Non, moi ça ne m'a pas fait rire. T'as de la chance, t'as que 3 gorgées, j'en ai 5. Ouais, mais il reste une blague, babe. Attends, par contre, ma vie, je veux juste savoir si tu la connais déjà. Est-ce que tu connais l'histoire du nombril? Ouais. Ah ouais? Non, tu connais l'histoire du nombril ou pas? Oui. Non, mais tu la connais ou pas? Je sais plus. L'histoire du nombril. C'est quoi? Non, je la connais peut-être pas alors. Tu la connais oui ou non? Non, je crois pas. Tu la connais oui ou non? Je crois pas. Oui ou non? Non, je crois pas. Oui ou non? Non. Brille. Ah, la vidéo la plus gênante de ma carrière. Heureusement que c'est pas sur ma chaîne. Mais sur la mienne. C'est l'heure de boire ta riz là. Parce que t'as non, non, ça si, pas. Non, si, non, si, ça... si, si. Vite, c'est. Non. Non, déjà on était à 5. 5 et pas. Arrête, j'ai déjà mal au torse. Parce c'est qu'on va boire une boisson magique. Imagine cette boisson, elle est bonne pour la santé. Qui sait. Tu verses jusqu'à, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est t'as pas du. Gorgée, ça, t'es folle. Je peux pas, je vais vomir. Arrête, arrête. Je peux pas. Ah non, meuf, j'en ai plus que 5 mois par contre. Hein. Je suis désolée, mais. Moi aussi j'en ai un. Non, non, non. 5 et demi. Non. Si j'en ai 5 et demi. Non. Je peux pas. Allez, babe, à la tienne. On va en boîte ce soir. Souhaitez-nous bonne chance. Allez. Oh, ça pue. Sans. Vous vous rendez compte de ce qu'on boit par contre? T'as pas une pince à linge? Non. J'aimerais me boucher le nez. J'ai des sèches-linges, babe. Merde. Ok, 3, 2, 1. Je peux pas, Joël. Allez. Il boit pas, ce tricheur. Me dis pas. Meuf, c'est pas si mauvais. Tu ah non, c'est horrible. Bois tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Go. C'est que le piment, ça fait grave grossir les fesses. Tiens, foutre. Le piment, ça fait grossir les fesses, bah. Oui, je veux de l'eau. Bref, en tout cas, j'ai kiffé tourner cette vidéo, même si ça, plus jamais on va tout jeter dans les toilettes parce qu'on a pas envie de s'intoxiquer plus. Si on est malade demain, maintenant. Ah, je te promets, par contre, ça monte. Arrête, mais vous me pas dessus. Mon comme ça. Mes amours, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Antonin d'être venu, d'avoir vu cette merci merde avec toi. Moi. Yeah. On se retrouve très vite dans le. Il y aura une vidéo sur ma chaîne aussi. Oui, on enfin. Tous les dramas, on se... Mais arrête avec tes dramas, putain. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ya ya ya. Ya ya ya.